Et bienvenue pour cette cinquième vidéo où je vais vous montrer les emplacements des acolytes pour réussir un défi qui est de tirer dans leur tête au pistolet. Alors là, je vous affiche la map en question avec tous les emplacements des acolytes. Donc moi, dans le gameplay, je vais au yacht, mais vous n'êtes pas obligé d'aller au yacht. Vous pouvez aller dans des endroits où il y aura sûrement moins de monde. Moi, j'ai fait une partie un peu glitchée où je suis tout seul dans la partie. Je suis contre des bots, donc j'ai été au yacht. Alors, première chose que je vous conseille, c'est de vous déguiser. Ensuite, vous cherchez après un petit pistolet. Dès que vous trouvez un petit pistolet, là, vous descendez un acolyte en lui tirant 3 balles dans la tête. Et puis ensuite, vous le finissez en lui tirant 2 balles dans la tête. Ça fait 5 balles dans la tête et vous avez déjà fini la moitié de votre défi. Alors tout simplement, après avoir tué le premier acolyte, vous vous redéguisez dans une cabine téléphonique. Vous allez revoir un deuxième acolyte et vous lui faites la même chose. Vous lui faites la même misère. 3 balles dans la tête, 2 balles au sol. Et puis vous vous redéguisez au cas où pour être tranquille et vous barrez en chemette ou alors continuer à loot. Et si bien sûr vous n'avez pas réussi à faire les 10 tirs dans la tête, ben vous pouvez tout simplement refaire la manipulation sur un troisième acolyte. Et je pense que c'est la meilleure solution, la meilleure astuce pour réaliser ce défi. Il faut savoir que des cabines téléphoniques, il y en a partout où il y a des bots. Enfin des acolytes plutôt, vous les appelez comme vous voulez. Partout où il y a des acolytes, il y a des cabines téléphoniques. Donc vous pouvez faire cette astuce n'importe où. Enfin voilà qui termine cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Alors si bien sûr tu veux m'aider à évoluer sur YouTube, n'hésite pas à liker, à partager, c'est très important. Et surtout abonne-toi si bien sûr tu n'es pas abonné. Donc merci à tous ceux qui m'aident à évoluer. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao, peace. I'm